Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte et comme vous l'avez vu dans le titre, on va jouer au nouveau Tomb Raider. Mais tout d'abord, je sais pas si vous l'avez remarqué, dans mes dernières vidéos, j'utilisais un autre micro que mon Blue Yeti. Et ce micro, pour les curieux et ceux qui veulent se lancer sur YouTube ou sur le stream, eh ben c'était tout simplement le micro Tonor. Alors c'est un micro USB très très simple à utiliser, qui fait vraiment le travail. Et si vous voulez pousser le délire un peu plus loin, vous téléchargez VoiceMeeter, qui est totalement gratuit. Et croyez-moi, ça fait l'affaire. Ce petit bijou, il m'a accompagné pour quelques vidéos. Personne n'a vu la différence, personne ne m'a fait de remarque. Comparé à un Blue Yeti qui coûte quand même 2 à 3 fois plus cher, vous pouvez le retrouver sur Amazon ou bien même directement sur le site de Tonor qui est dans la description, ok? Les présentations sont faites, enfin, la présentation du micro que j'utilisais est faite. Maintenant, on passe à Tomb Raider. Donc les gars, le jeu vient de sortir sur iOS et Android. C'est un jeu de type arcade avec l'univers de Tomb Raider, les choses qu'on connaît de Tomb Raider, les choses cultes comme la bande sonore, les guns, l'aventure et bien sûr Lara Croft. Donc les gars, sans plus perdre de temps, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like parce que ça soutient. À me dire dans les commentaires si vous comptez le tester et est-ce que vous trouvez stylé, parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps que je fais ce style de jeu en vidéo. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, bien sûr. D'ailleurs, petit spoil, je suis en train de réfléchir là pour refaire mon setup, donc bientôt ça sera fini le décor enfantin. Je dis ça parce que j'ai déjà vu des commentaires en me disant que j'avais un décor d'enfant et que j'étais dans ma chambre. Les gars, j'ai quand même le luxe d'avoir un studio d'enregistrement. Attention, ok. Ok, donc sachez que le jeu est développé aussi par Square Enix, en partie. C'est dans un univers un peu cartoon, du coup. Oh, ça commence par une cinématique. Ok, donc ça parle des mercenaires. His boss had a very tempting offer. Jacqueline Natler claims to have found the city of Vilcabamba, resting place of the legendary Atlantean Skion. Vast mountain ranges, sheer walls of ice, rocky crags and savage winds. Okay. Much more like it. I leave for Peru tomorrow. Donc ça se passe au Pérou. Let's go boys. Ok, donc le didacticiel. Appuyez pour glisser sur l'écran pour déplacer là. Ok. Jusqu'à là, en vrai, RAS, on va augmenter un peu le son du jeu. Parfait. Alors, ok. Les tombes sont emplies de dangers. Évitez les pièges et sortez de l'étape. Ok, donc du coup, c'est différents niveaux. Là, on voit niveau 1 sur 20. Ok. Ok, donc là, il y a des cailloux qui tombent. Faut esquiver. Ok. Let's go boys. Oh. Ok, donc elle tire automatiquement, pas besoin de toucher. Nous, il va juste falloir qu'on gère du coup les déplacements. Il y a des ressources à ramasser, let's go. Niveau 2, c'est fait. Enfin, même pas niveau 2, c'est étape. Oula. Ok. Hop, on ramasse. Oh. Sélectionner une nouvelle carte de capacité. Tireur d'élite. Donc ok. Tir en rafale. Tir rebondissant. En vrai, le tir rebondissant est peu carrière, mais je pense qu'on va être un peu en mode rafale. Let's go, boys. Allez, c'est parti pour l'étape numéro 4, du coup. Parfait. Ok, nouvelle capacité à débloquer. Tireur d'élite. Boost majeur, donc tac, 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 vitesse de 20%. Et du coup, foudre des arcades. Je pense qu'on va prendre la deuxième. Parfait, nickel. Let's go. Ok, donc là il y a des murs, donc on peut se protéger derrière le mur, a priori. Aïe aïe aïe. Ok, donc si j'arrête de me déplacer, je peux tirer, et si je cours, je peux pas tirer. Nouvelle capacité. Tire deux projectiles supplémentaires en billet. On va prendre le tir rebondissant. Comme ça, si on tire à côté, au moins ça rebondit. Ok, bon, pas parfait. Nickel. Let's go! Allez, on va atterrir sur l'étape numéro 7. Okay, donc là, il y a des pics au sol qu'il va falloir esquiver. Il est mort ou pas? Ouais, il est mort, c'est bon. Let's go! Le jeu est très agréable à jouer, je trouve. Pour ceux qui aiment bien jouer dans les transports, en vrai, c'est un très bon jeu. Euh,
Foudre des arcades, hein. Ouais, on va prendre ça. Let's go. Du coup, je disais, ouais, en vrai, ce jeu, c'est cool. En vrai, un petit jeu d'arcade comme ça, dans l'univers Tomb Raider, ça fait beaucoup penser à Archero, un jeu auquel j'ai beaucoup entendu parler, mais j'ai jamais fait de vidéo parce que, bah, l'univers me disait rien. Mais là, vu que c'est, voilà, Tomb Raider, Lara Croft et tout, je me dis, c'est à tester. Et puis, ça faisait longtemps aussi que je le voyais en APK, sur des applications d'APK. D'ailleurs, une nouvelle fois, je recommande de ne pas trop télécharger des applications sur les APK parce que ça peut verrouiller votre téléphone. Ok, donc là, on est à l'étape 10 sur 20 quand même, hein. Oula, oula, oula. Ok, j'ai... Aïe, aïe, aïe. Parfait. Niveau 6. Capacité, explosion. Tac, tac, tac. Augmenter les dégâts de 20%. 20%. Ça, les dégâts vont faire plus mal. Parfait. Let's go. Donc là, niveau 6. Parfait. En gros, je reste vraiment pas le choix, là, pour le coup. Parfait. Est-ce que je peux tomber dans le trou? Non, je peux pas. Ok, on peut pas tomber dans les trous. Au début, je pensais. Nickel. Mhm. Hop, t'esquives dès qu'il tire. C'est quoi ça? On peut pas le ramasser, ça? Ah, il restait une grenouille, ok. Donc, tu peux pas ramasser les ressources qui tombent par terre tant qu'il reste encore un ennemi? Ouais, c'est bizarre, mais bon. Pourquoi pas? Oula, oula! Ok, on esquive. Let's go. Vas-y, passe-moi les ressources là. Oh, encore une capacité niveau 7. augmente la vitesse ou augmente les dégâts? En vrai, je dirais la vitesse. Let's go, boys. Ok. Esquive. On peut vraiment pas prendre les ressources quand on est en train de tirer. Hein. Ok. Les deux sont morts. Parfait. Ok. Il n'y a pas de jump, il n'y a pas de slide. C'est vraiment du déplacement pur. Hein. C'est qui ça? C'est un allié? Ah, c'est peut-être un allié. Anaya, on vous offre un choix. Bénéficiez d'Anaya, guéri de 40% de vos points de vie au total. Augmente votre santé max de 20%. Bah, on va augmenter la santé. Hein. Let's go! Allez, c'est parti. Nickel, ça c'est fait. Mhm. Aïe, j'arrive pas à l'avoir celui-là du fond. Nickel. Vas-y, passe-moi les ressources. Encore, niveau 8. vos tirs perforent les ennemis. Ok, donc ça veut dire que le tir traverse l'ennemi. Tire deux projectiles supplémentaires en biais, non. On va prendre ça. Faut juste que les ennemis soient pack et en vrai ça fait des dégâts et du coup, bah c'est stylé. Allez. Voilà, ça commence à être le bordel par contre. Allez, il va me faire chier lui à dire des cailloux là. Nickel. J'ai ramassé un livre d'armes, je sais pas du tout ce que c'est. Allez, on va à l'étape numéro 18, let's go boys. Bon, ça pour le coup, ça c'est un vrai didacticiel. Oh putain, la vache, il est vraiment long. C'est quoi ça? Aïe, 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 aïe. Ok, donc en plus, il y a des choses qui te mettent la pression pour avancer plus vite. Mais c'est trop stylé. Aïe. Ok, on prend la distance. Lui, ça tombe. Ok. Là j'ai une rune à ramasser. C'est bon, on peut y aller. Allez, c'est parti pour la dernière étape les gars. Du coup je suis niveau 8 pour faire l'étape numéro 20. Et du coup c'est le boss. Ok. Ok, j'ai l'impression qu'il va vouloir me rush. Aïe. Oh, ouais, il me fait perdre les dégâts par contre. En fait, regardez, limite avec le coup rebondissant, en fait, faudrait que je fasse ça, comme ça il se prend double dégâts à chaque fois. Et pourquoi je suis ralenti là? Aïe 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 aïe. Non, tu m'auras pas, c'est pas maintenant.
Ok, on va la voir. Oh, yo, 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 yo. Non, je vais quand même pas me louper sur ça quand même. Oh là 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 là, j'ai flippé. Let's go. Chapitre 1, 20 étapes. Terminé. Découverte quotidienne, découverte quotidienne. Et donc ça du coup c'est toutes les ressources que j'ai ramassées. J'ai ramassé des guns, un pompe. Enfin un fusil plutôt. Des runes. Ok. Nouveau chapitre, les grottes des montagnes andines. Ok. Niveau 1, je passe à niveau 2. Félicitations. Et du coup je récupère des ressources. Ça s'appelle des gemmes. C'est utilisé pour acheter divers objets dans la boutique. Progresser et compléter les chapitres pour obtenir plus de gemmes. Ok. Bon bah là j'imagine que là on est sur le menu d'interface du coup. Les gars, la bande sonore est trop belle. La bande sonore, c'est vraiment la bande sonore du jeu, en fait. Bon, pour ceux qui ont connu Tomb Raider et autres, genre par exemple sur PS1, c'est vraiment de toute beauté. C'est vraiment de toute beauté. Du coup, qu'est-ce que ce menu nous propose? Donc là, j'imagine qu'on doit avoir des caisses, des tenues, mais non, améliorer. Ok, donc là, du coup, il va falloir améliorer son loot pour être plus performant, être plus fort, entre parenthèses, ok. Ah oui, il y a des skins et tout. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a que 3. Ok. Ça c'est quoi? Ça du coup, c'est pour venir au monde. Il y a différentes étapes. Il y a combien de monde? Il y en a 9. Et le 9e c'est du coup la citerne. Ok, j'imagine qu'il doit y avoir des quêtes quotidiennes. Où est-ce que ça se passe? Ici? Non. L'aventure du monde antique, ok. Découverte quotidienne. C'est quoi? C'est des chapitres? Ah, c'est des missions. 10 étapes, ok. Terminer 75 étapes, terminer 20, ok. L'aventure andine, récupérer. Je peux récupérer ou pas? Non. Échange. Ah, faut échanger. C'est-à-dire qu'il me faut des têtes bizarres, là. Et du coup, j'échange contre des ressources. Ok, pourquoi pas. J'ai des têtes bizarres, mais attendez, comment ça s'appelle? Des stickers communs. Un sticker commun qui permet d'être échangé contre des récompenses à collecter en tuant des ennemis. Ok, donc ça, c'est événement. Revenons ici. La cible, c'est quoi? Récompense d'exploration. Donc là, du coup, un nouveau fusil. Let's go. Et une caisse. Donc j'imagine qu'il doit y avoir, voilà, du pack opening. Pistolet commun. Et donc, en fait, il y a plein de trucs. En fait, plus on va faire les étapes, plus j'aurai des récompenses à récupérer selon les... Ok, pourquoi pas. Petite boîte. Tomb Raider Reload. Cadeau de pré-enregistrement. J'espère que les cas, vous vous êtes pré-enregistrés. Du coup, moi, je gagne le petit cadeau pistolet doré. Donc je sais pas si c'est un truc de fou, mais du coup, je l'ai reçu il y a 2 jours. Let's go! Petite récompense gratos, pistolet doré. On va voir si on peut le mettre, genre si c'est un skin ou si c'est juste un item. Ok, ok, ok. Ici, il y a quoi par ici? Tâches quotidiennes, donc il y a des missions quotidiennes. Ok, donc ça c'est bien. On va récupérer les ressources. Connectez-vous une fois dans le jeu, obtenez des pièces gratuitement, nanana. Ok. Il y a les caisses hebdomadaires. Des caisses? Non, non, des missions hebdomadaires, autant pour moi. Et des objectifs. Donc là, du coup, j'ai rempli des objectifs. Donc, hop, je récupère des gemmes. Hop, let's go. Encore. Wow, mais là, j'en ramasse beaucoup de récompenses, par contre, là. Ah, là, par contre, ça, c'est fini. Infliger 100 000 de dégâts aux ennemis. Ok, donc j'en ai pas d'autres. Pas de soucis. Y'a quoi, là-haut? Récompense quotidienne, donc ça c'est des récompenses qu'on gagne à chaque fois qu'on se connecte sur le jeu. Donc même si les gars vous pensez pas de vouloir y jouer, connectez-vous, ça coûte rien, récupérez vos récompenses. Et puis après déconnectez-vous. En vrai de vrai. Let's go. Dans les paramètres, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez vous connecter du coup avec votre compte Google Play. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Facebook. La musique, vous pouvez la désactiver, comme la réactiver. Notification d'énergie, de boutique et défis quotidiens. Donc ça, on va les décocher parce que je veux pas les notifications, les crédits. Il y a le Discord du jeu et il n'y a pas plus de paramètres. Ok. pam pam pam. Je pense qu'on a tout fait. Où est-ce que se trouve le shop? Actuellement bloqué, jouer pour plus... Ok, donc ça, on peut pas y accéder. J'ai l'impression que je peux pas accéder encore au shop. Parce que pour moi, le shop, c'est ça. Je vous le dis. La baleine augmente la guérison. Bouteille en céramique de temps d'environ 700 avant Jésus-Christ et représentant une baleine tueuse mythologique. Collectée pour obtenir la récompense. Ok, donc là par exemple, il me manque le boost de guérison et après je pourrais potentiellement la débloquer si je comprends bien.
J'ai bien dit, si je comprends bien. Là, je suis totalement paumé, les gars. Attends, on va regarder Lara Croft, là, en vrai. Les armes. Genre, si je mets celui-ci, équipé. Les gars, les, le petit gun en or, là. C'était là. Et qu'est-ce qu'on fait des ressources qu'on a à démonter? Donc, vous voyez, celles qu'on a en plusieurs, on peut les démonter. Si je prends celle-ci, je la démonte. Ok, donc, je gagne des récompenses en échange. Ça apparaît, on va pouvoir démonter. Je l'en plusieurs fois. Ça aussi. Vas-y, démonte. Celui-ci, je l'ai également. Est-ce qu'on peut démonter une arme qu'on a en un seul exemplaire? Ça, c'est la question que je me pose. Genre là, le fusil, je l'ai plus. Je peux le démonter. On va faire attention. Je peux l'augmenter, lui aussi. Est-ce que celui-là, je peux l'augmenter? Non, je peux... Ah, mettre à jour. Ça me coûte 500. Vas-y, faisons-le. Hein. On n'a rien à perdre. Du coup, je gagne 25 d'attaque de supplémentaire. Munition vide. Munition longue portée. Ok. Frappe aérienne. Frappe au sol. C'est quoi les dégâts à peu près là en moyenne? Dégâts supplémentaires de 30 plus 10. Donc là, tu vois, ça fait 30. 30. À fond, toutes 30 en fait. Pour le moment. Ok. Celle-ci, je l'ai en double. Donc on va la démonter. On va prendre celle-ci. On va s'équiper de celle-ci. Là, il y a des munitions également. J'ai en double celle-ci. Ok. Et ben, on va équiper celle-ci. Ça, on peut rien mettre pour l'instant en termes de bracelet. En termes de sac à dos, j'ai pas de sac à dos, je peux rien mettre. Ok. Tenue, j'ai débloqué un truc dans tenue. Améliorer. Ah, ok. Okay, donc là, du coup, on voit les rangs. Donc au rang 2, je vais pouvoir débloquer du coup... un truc classique, obtenez 2% de chance d'esquiver, tac tac tac, ok. Ah ok. Et bah c'est bien sympatoche tout ça, j'ai hâte de faire la suite de l'aventure pour voir ce que ça donne. Et en vrai si chaque niveau c'est comme celui que je viens de faire, et bah en vrai de vrai les gars, pourquoi pas se faire un épisode 2, et dans cet épisode 2 on va se faire du coup la grotte des montagnes Andine. Et c'est un chapitre du coup d'une longueur de 3 chapitres. Enfin non, c'est quoi? C'est plutôt un épisode 2 de 3 chapitres. Et donc du coup, il faut utiliser 5 tickets. Ah, il y a un système de tickets. Donc c'est-à-dire que vous pouvez pas jouer genre tout le temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez être limité. Et si vous loupez le niveau ou l'aventure en question, bah, vous êtes obligé d'attendre un timer. Donc là, par exemple, il me faut 6 minutes et 20 secondes pour je sais pas avoir combien de tickets. Je sais pas si on en a un. Ou 5, ou 2, je sais pas combien de temps ça met pour récupérer des tickets d'aventure. Ok, et ben en vrai les gars, je vais être franc avec vous. Sympatoche, découverte vraiment cool. Je regrette pas, non, honnêtement. C'est vrai que je fais rarement des vidéos sur ce type de jeu d'arcade. Mais là c'est vrai que Tomb Raider, l'univers j'aime bien. Le jeu est quand même agréable à jouer, la bande sonore est belle, le graphisme est très beau. J'ai pas envie de dire le contraire honnêtement. À voir ce que ça donne. Là on voit qu'il y a que 9 niveaux. Peut-être qu'il va y avoir plus de trucs. Peut-être un mode co-op. Je sais pas encore comment le jeu va tourner. Mais le jeu vient tout juste de sortir. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger en passant par les liens qui sont dans la description bien sûr. Sur ce les petits potes, moi je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très 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 vite pour une toute nouvelle vidéo sur un jeu mobile bien sûr. Je te souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était Psytrag. Bye bye.